Salut YouTube également, re-YouTube. Alors j'ai une question à vous poser. Quelqu'un, un monteur, m'a contacté récemment. Il y a des gens qui me contactent, on ne sait pas pourquoi. C'est incroyable. Et donc j'ai une question à vous poser. Et j'y pensais récemment parce que c'est vrai qu'on a plein de contenu finalement sur la chaîne qui est hyper indigeste. Tel des VOD évidemment où on meurt en boucle par exemple sur un combat pendant 1 heure. Et l'idée c'était évidemment contre rémunération. Je pourrais employer quelqu'un. La MV Production pourrait le faire, pourquoi pas. Est-ce que, alors ça c'est une question pour toi YouTube, parce que là sur le stream ça va être la cacophonie. Est-ce que tu préférerais avoir tous les jours des vidéos de 20, 15, 20, 25 minutes avec le condensé de l'action du live, mais le meilleur en fait, quelque chose de plus digeste, dynamique, ou garder les VOD d'une heure plus où on s'emmerde? Voilà, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Waouh! On y retourne. Dites-moi dans les commentaires. Pour une fois, ça m'intéresse. Attaque runique puissante. Alors, comment on a ça là? Des gemmes d'attaque runique se placent ici. Ah oui, mais ça, c'est des trucs qu'on va débloquer dans l'histoire. Hein. C'est pas lui qui va nous vendre un truc pété de ce type. Bon, moi, je suis sûr que cette VOD, elle va être moins chiante. Je sais pas pourquoi. À moins que je sois trop faible pour cette zone. En fait, j'ai ma... Oh, vous vous souvenez, ça me rappelle un terrible souvenir, ça. Quand j'avais pété ce truc-là, comme un connard, et j'avais loupé le truc bien, du coup. Ah bah là. Cette roche-là, elle se détruit. Donc là, c'est bon. Voilà. Là, il n'y avait pas à le bouger. Là, c'est simple. C'est pas lui. Scorch marks. There, along the floor and wall. Weird. I guess we keep looking. C'est le feu. Oui. I mean, I'll keep looking. Fragment d'écaille du serpent monde. Ah mais j'ai pas besoin de ça pour un de mes crafts là. Ah si je spamme vers le bas, voilà, hein, on peut vraiment danser la carmagnole. Je vais apercevoir un truc pendant 2 secondes. C'est moi qui ai dû fumer du mauvais shit. Hello? Évidemment que dans le doute on va tout défoncer. Ah merde, j'avais dit que cette VOD serait moins chiante. Je l'avais promis à la commu. Alors on peut faire tomber ça, mais ça serait dommage de faire tomber ça avant qu'il y ait le sale mob qui se ramène. Ah bah direct, d'accord, direct les embrouilles. That's a soul leader. If that kills us, that's it. No Valhalla, no hell, no afterlife, ever. Oh, on dirait un merde. It does not attack. Ah putain, c'est quoi les ah. Ah. Mom made them sound more un atronach, un atronach. Flame atronach. Ça m'appelle Elder Scrolls. Les atronach. Oh là là. Va falloir voir quelque chose au bout d'un moment, retourne-toi. On va avoir besoin de ton aide là, le petit, hein. N'hésite pas à te rendre utile, hein. J'ai mal. Sérieusement? What the fuck? J'ai essayé de m'enfuir et paf, la pastèque. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tigrebois. Mais on ne parle pas d'autres jeux quand on joue à un jeu. Merci Boontag pour le prime. Oh, ce jeu de ses morts quand même, ce jeu de ses morts. Bon. Est-ce que tu pourrais être sympa? Voilà, on va le défoncer en deux frames.
Voilà, j'aimerais que ça se termine. Au secours. Putain de merde. Et merde, et merde, et merde. Sérieusement? Quel con, mais quel con à vouloir spammer! À spammer le L1 et putain j'ai, je vous jure j'ai une démangeaison de ouf, je vais je vais manger le pouce à la, je pense que je mange le pouce avant la fin de cette session. J'avais dit non. Enemies ahead. Ceux avec une aura jaune se régénère. Ah surtout. Mais non. Oh, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Rends-toi utile. Pour une fois dans ta vie, rends-toi utile. Merde, putain, j'avais pas vu qu'il y avait le finish. Quel enfer, quel enfer. Ah mais pourquoi j'ai jamais fait ça alors que j'avais dit que je le ferais? Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ce jeu c'est de la merde? Oh là là, mort, mort. Au secours. Au secours. Non, non, au moment où j'ai vu la vie, je me suis dit, je vais prendre la vie et ça va être formidable. Et le spermato, avec un petit goût de spermato, blanc manger coco. Viens voir Frankie. Mario. Hey, why you didn't care? I noticed the lack of rain on your body. Ok, ok, finish, finish. Mais il a pas fini. Putain, mais il y avait... Je croyais que c'était dit. Oh, le finish était en train de se barrer. Ma vie c'est bien de la merde. Mais putain, mais... Et le gamin là! Putain, mais tu le connard! Non, mais tue l'autre! Tue l'autre!
Tu l'as sunbait là. Bah oui, mais forcément que ma vie est dégueulasse. Ah. Mais il va jamais comprendre. De quoi encore? Y'a rien à comprendre, c'est God of War, tu spam carré, tu gagnes. D'accord. Déjà, on n'utilise pas carré dans le jeu. Alors, sauf pour le petit. Très bien. C'est l'ancien God of War, ça. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'était bien. Bon, allez, c'est mon cadeau à ma communauté. Je vais bientôt rage quit le jeu. Alors. Bon, est-ce que... voilà. Là, clairement, j'en ai plus rien à foutre. Je pense que ça commence à se voir. Ah ouais, d'accord. Ah, je vais mourir, en fait. Une fois de plus. Faudra que je stream plus, en fait. J'ai compris ce qu'allait pas. Faut que j'arrête de streamer. Mais si je stream pas, qui va rémunérer Svetlana? Mais non, c'est bon. C'est bon. C'est ça le problème. C'est que si je ne le fais pas, qui va payer les employés de la MV Production? Donc, ce n'est pas grave, on continue à produire ce jeu de qualité, à subir un chat, évidemment, qui a beaucoup d'opinions. Mais c'est important d'en avoir. Hein. Mais on est fiers. On est fiers, on joue en hard, on représente. On représente. Bon, allez, on va se concentrer. Ah ouais, mais spam tes flèches, hein. En vrai, si j'étais vraiment un connard, et je devrais être un connard. Ah, il y a eu double ouverture du fion. Ok, je sais ce que je vais faire. Si tu rassembles les ennemis... Ah oui, attendez, est-ce que j'avais bien débloqué le L1 et R1 en même temps? Non, parce que... Le problème, c'est que L1 et R1 en même temps, c'est mon attaque du schnapps. J'avais débloqué ce truc-là, là. Non, R1, c'est le tourbilol. Pas du tout, ok. Ça, c'est les lancers. On s'en fout. Peut-être je pourrais débloquer ça. Donc ça. Ok. Putain, mais ça rase. Nice shot. Mais putain, mais tu vas le tuer, l'autre con, là. C'est moi qui vais devoir m'occuper des beholders de merde à chaque fois. Il est con comme sa mère, il est con... Il est moche comme son père. Ok. Oh, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Ok, j'en ai plein le cul. Est-ce qu'on va me laisser? Mais non! Putain, mais je veux m'occuper. Ok. Déjà, je sais ce qui se passe mal. Attendez, on avait... Ah non, zut. Parce que là, j'aurais pu reprendre la vidéo YouTube en mode... Oui, salut YouTube, désolé, j'ai oublié de lancer le local record avant d'arriver ici. Que se passe-t-il? Va-t-il y avoir un combat? Et là, je l'aurais réussi du premier coup, et du coup, ça sera beaucoup mieux. Bah, ah oui. C'est ça. Ok. Allez, c'est mon cadeau à la communauté.
Voilà, déjà. Voilà. Voilà, en fait, dès le début, on... Ah non, on s'est pas débarrassé de l'autre, du magicien. On s'est pas débarrassé de Houdin, le magicien. Saras, Bulba. Mais oh là là, et voilà l'autre. Vas-y. Sérieusement, sérieusement, je merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que je m'emmerde. J'aurais... En plus... Ça drop rien en plus, c'est ça qui est terrible. Mais what the fuck? Mais c'est mort, sérieux. Mais Locke, l'oiseau de ses morts de merde. Ah, c'est mort mille fois. Mais... Focus le mag du fond. Ouais, on va juste rush le magicien. Mais essayer de l'avoir en fait avec la... Le piège du début. Mais le piège n'a snipe que l'oiseau de ses morts. Figurez-vous. Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a demandé de faire... Voilà, j'ai décidé d'en avoir plus rien à foutre de la vie. Ah oui, il avait pas de vie du tout, je suis vraiment le pire des connards. Ok. Ok, fair enough. Look out behind you. Mais... Voilà, il est là. Lui, il faut le focus. Merci. Oh là là, on s'emmerde. Ok, on va tenter un truc. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain, mais je te bite! Ah bah, génial. Ah bah, très. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Je te bite. Voilà. Jeu de bite, c'est officiel. C'est officiellement un jeu de bite. Alors évidemment, on pourrait jouer en normal et là, les gens seraient en mode ah putain, c'est vraiment un let's play sympathique, on gagne tout de suite. Regardez, je vous le montre juste. Bon alors, je vais demander à YouTube de faire un effort. Imagine YouTube que tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, tu ne l'as pas vu. Et là, tout d'un coup, le moment de liesse. Mais attendez, mais comment je change les options? Ils avaient dit qu'on pouvait changer options. Paramètres, jouabilité, difficulté, expérience équilibrée. Il y a même histoire où on appuie juste sur carré et on gagne. Enfin, sur R1 du coup. On va faire expérience équilibrée, ce qui est normal. C'est quoi le dernier point de contrôle? C'est là. Ah, parce que oui, il est nul. Voilà. Attention, YouTube, salut, salut, comment ça va YouTube? On joue à God of War aujourd'hui, c'est vraiment un jeu que je trouve sympa pour les gamers.
Et on va essayer de gagner ce combat ici. Ça a l'air un peu chaud, il y a beaucoup d'ennemis. J'espère qu'on va y arriver. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est vraiment un combat pour les gamers pour le coup. Attendez, on m'a droppé de la vie donc je vais la prendre. Waouh, il est vraiment fort Mister MV. Il arrive à tuer les ennemis vite. Génial. Ah merde, ça a validé le checkpoint. Ah oui, parce que du coup, non seulement les ennemis sont gratos, non seulement on perd pas de vie, mais en plus, il y en a bon, il y en a trois fois moins. Voilà. Ok. Donc oui, forcément, on va mourir. Alors. Tout va bien se passer. Observe site. Oui, qu'est-ce que je vois? Non, non, je vois rien du tout. Ah si, je vois que ça, c'est beau. Qu'on s'éclate. Mais c'est bien là qu'on doit aller. Oui, je vois la corde, mais la corde, c'est toi. Ah, je peux peut-être te faire monter là. Non, on va juste monter, lever cette porte. Et tout va bien se passer. Ah, le mode histoire. Le mode histoire, c'est vraiment... c'est vraiment les vacances. God of War, on n'a pas testé. Je sais pas si on peut le lancer dès le début, il était en rouge, mais c'était peut-être bon. Oh là là, l'enfer. Ouais, on a clairement besoin du petit là. Pourquoi il a pas... Ok. C'est bon. Ok, ouais, le gosse en fait, contre cet ennemi là, c'est garanti flèche et il arrête de se téléporter. En fait, c'est la gratuité intense. On essaiera à l'avenir d'arrêter d'être gratos. C'est pour charger la. Non, pas du tout, c'est un objet. Not him. Hey, I thought you didn't care. I noticed the lack of ring. Oh là là, y a plein de. Oh, merde. Oh non, non. Ok. Hey, it's another treasure map. What? Mort et boursouflé, le troll qui a tué les miens est mort, mais la bataille a fait des ravages. J'ai enterré tout ce que j'avais près du corps. Ingrid et moi venions souvent sur cette plage pour voir le soleil se lever au-dessus du temple. Récompense, un enchantement rare, une pierre de l'oubli, 5 unités d'acier doux de Svartalfheim et 6000 de pognon. Ah d'accord, c'est une énigme, à la con. Ah mais j'en ai deux. Et donc on l'a... Ah mais on l'a pas marqué sur la carte, c'est genre... Je sais même plus où c'est. Elles sont où mes cartes au trésor? La carte, comme ça? Au secours. Afficher tout, marqueur actif, ouvrir le journal. Oh, il y a trop de trucs. Tâches, carte, option. Au secours.
Je sais plus comment j'ouvre les cartes au trésor. Mais je suis content. Voilà. Merci à tous. Donc ouais, en gros, il y a des énigmes à la con et des trésors à trouver. Par ici, c'est la suite des événements. Parce que moi, je... Tellement magique. Ah, la boussole devient dorée, d'accord. Waouh. C'est la fête à neuneu. Waouh. Violent. Ah bah là-bas là. C'est par rapport à la chasse au trésor que ça s'est activé ou... Bah on peut défoncer ça, défonçons. Ceci en toute sobriété. Monnaie, 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 visa, monnaie, yaourt aux fruits. Ah c'est bon, les plus dorés, c'était juste ça. Ah non. Il y a dans le coin, il se passe quelque chose. Ici, incessamment sous peu, il se passe un truc. Lisa Monet. Il y a un ascenseur là, superbe. Non, mais le problème, c'est que là, je veux pas continuer. Hein. Ah, il y a une rune là. Parce qu'il y a plein de trucs en bas. Oh là là, s'il y a deux trucs explosifs, c'est que ça sent les embrouilles de l'enfer. Je voulais pas tomber. Qu'on me pardonne, je voulais pas tomber. Il y a la trônage de ces morts, il y a des coffres. En fait, il y a plein de trucs à prendre, c'est pour ça que je voulais pas tout de suite les embrouilles. On me dit pas qu'on peut interagir avec tout là, parce qu'au bout d'un moment, je vais être très fatigué. Alors, est-ce que là où on peut lever la porte et prendre le coffre, c'est la suite des événements ou pas? Au secours. On peut aussi aller tout droit là. Ah bah d'accord. De toute façon, il y a cette histoire de rune pour ouvrir cette porte, donc ça c'est clair. Donc il y en a une ici, une qu'on a vue. Quel intérêt j'ai à défoncer ça? Oui, mais d'accord, mais je pouvais le détruire sans être aussi excessif. Est-ce que ça a activé quelque chose en bas? Pas vraiment. D'accord. Je vais pas m'énerver. Bon, et la méga pince là, c'est quoi ce délire? C'est pas aussi simple que ça. Alright. Bon. La boussole de ses morts. On a repéré une rune ici. Alright. Ici je peux descendre donc. Ça me ramène juste okay, à l'interlude. Et on me dit clairement, non mais il se passe quelque chose mec, ouvre les yeux, je t'emmène en voyage sur un nuage. Donc là évidemment je ne ferai pas attention. Mais alors il a pas détruit hein. Bah là je peux peut-être, non c'est trop. C'est trop, je ne veux pas aller plus haut que ça. On va voir en bas du coup. Incroyable. D'accord, donc ça peut péter de partout, c'est quand même suspect cette histoire, hein. Où sont les méchants? Ah bah la rune elle est là. Ah oui non, ça va partir en couille sans... Attached to the Soul Eater. Ah, well, d'accord. We know what happened to Anvari now. Anvari, il est mort de décès. On n'a pas besoin de l'affronter en effet. We'll fight it. Ah voilà. Why? Because you are frightened of it. Putain, c'est vraiment l'éducation à la dure, hein. Bon allez, je vous le promets, cette fois-ci, nous n'allons pas nous enfuir. Et on va juste passer 150 ans là-dessus et tout le monde va dire que c'est de la merde parce qu'on joue en hard, alors que si on le mettait en normal, on le first try. C'est mon cas de la communauté. Bon, la porte runique, elle est ouverte en tout cas. Allez, let's go.
évidemment. J'aimerais bien. Ah putain. Voilà. Ah. Oh sérieusement, je te fais mort. LOL. Ok. Il y a encore un connard, il y a encore un connard là-bas en haut là. Ok, je prends le choix courageux, celui d'aller là et de tenir la porte. Aïe. 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 Donc voilà, en hard ils sont 12 000 et on va crever. Et ça c'est bon, ça c'est mon petit plaisir. Sa race de ses morts. Je tout claquer. Je tout claquer du cul. Pardon. Je ne m'énerve pas. C'est qu'on pourrait croire que je m'énerve, mais c'est évidemment pour l'entertainment. Retourne-toi, protège-toi. Oh non, il y a l'autre con. Il y a l'autre con du cul. Et c'est quand que j'ai ma rage ? Putain, entre normal et dur, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc entre normal et dur. Parce que dur, on en prend plein le cul. Et normal, ça serait ridicule. Mais on aurait déjà terminé le jeu en même temps. Et ça, et si je fais ça? Vous avez la poursuite en vous ou vous êtes des... Ah oui. Ah mais si j'avais fait du R2... Ah ben voilà. C'est bon. Ah non, oh le con. Oh le con, c'était si bien avant d'être de la merde. Je brûle. Mais il est chiant. Tout se passait si bien avant qu'il fasse n'importe quoi. Monte. Oh le con, je le déteste. Voilà. Voilà, alors le problème c'est voilà, finalement on va devoir jouer comme un caca humain pour s'amuser un peu quoi. Vas-y, mets les coups de flèche, c'est super ce que tu fais. Regardez, vous connaissez le chat et la souris? Mais monte, sac à merde! Pourquoi ce jeu il est mal branlé? Voilà. Je reste tranquille, je reste zen. Zen, soyons zen. Eh
Merci Saint-Margoulin. Merci Kent. One. Cham. Et Chiny or Die. Et Valou, 044. Bon. Écoutez, j'ai une nouvelle technique. C'est encore mieux, regardez. Je monte deux fois. Je reste ici. Et là, c'est très simple. Je mets le bouclier. J'attends. Je spam carré pour qu'il leur fasse mal. Et de temps en temps, j'y vais en mode voilà. Arrêtez. Non, non, faut pas que tu viennes avec moi. T'es en train de tout faire foirer. Il est en train de tout faire foirer. Bande d'enfoirés. Je lui souhaite 30 ans de malheur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, allez, faut revenir. Là, évidemment, the obvious. Au secours! Bravo, fiston! Ah, s'il faut jouer comme ça, on jouera comme ça. Hein. Non, non, faut tomber! L'idée que c'est que tu tombes, sac à merde! Faut s'en aller! Je me déteste. Je me déteste. Je vais mourir comme un cac. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Alors. D'accord, il est super nul, donc on va jouer en normal, comme tous les youtubeurs. Voilà. Très bien. Hop, paramètres, jouabilité, expérience équilibrée, confirmé. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. We are done here. Salut YouTube, je crois qu'on a bien progressé pour ce pire let's play de la mort. Moi j'en ai plein le cul donc je m'en vais. Au revoir, des bisous. Mets un pouce bleu. Hein. Compte sur toi. Hein.